Allez, salut à tous, c'est Olsan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après les vacances avec peut-être un rythme un peu plus soutenu parce que je vous avoue que j'avais un petit peu de frustration de ne pas pouvoir sortir des vidéos un peu plus régulières. Mais c'est pas grave, on a profité, c'était cool, j'espère que vous avez profité vous aussi des vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle découverte, ça sera sur le jeu Doodle God Universe. Ce jeu me faisait de l'œil, je trouve que les graphismes sont très colorés, très sympas. Alors, pour rien vous cacher, ce jeu, j'ai eu une clé gratuite et je pense que ça va être de plus en plus récurrent. En tout cas, je l'espère parce que c'est aussi le but de la chaîne de pouvoir vous faire découvrir des jeux et pour moi aussi découvrir des jeux que j'aurais pas forcément acheté. C'est le cas de celui-ci aujourd'hui. Allez, on va lancer le jeu. Alors, j'ai fait une partie test. Tiens, donc j'avais commencé. Ouais, j'avais peut-être juste retesté un truc. Alors, vous allez voir. Bon, je vous mets pas le prologue, c'est pas forcément intéressant. Le jeu est en français, ça par contre, c'est cool. Alors, selon les créateurs, c'est pour l'instant une grosse démo. Je crois que le jeu n'est pas encore sorti d'ailleurs sur Steam. Alors, le but du jeu, en fait, c'est d'associer des éléments pour pouvoir en créer des nouveaux. Donc, en fait, vous créez en quelque sorte la planète. C'est une sorte de puzzle. Alors bon là c'est pas compliqué, on a que deux matériaux, donc par exemple si j'associe la terre avec le feu, d'ailleurs il m'aide un petit peu. Normalement, voilà, ça va créer une autre, un autre élément qui normalement est assez logique, donc de la terre, du feu, on a de la lave. Alors bon, cela dit, vous verrez, il y a des fois des mélanges qui sont un peu tirés par les cheveux. Et c'est pas forcément évident à trouver. Alors vous avez des petites cinématiques comme ça et vous voyez la planète se créer petit à petit. Alors ça c'est pareil, au début c'est marrant mais après je vous avoue c'est un peu trop récurrent et je trouve que ça sert pas à grand chose quoi dans le jeu. Alors qu'est-ce qu'on va associer alors par exemple qu'est-ce qu'on a là? On a de l'air. De la terre, de l'eau, ouais. Bon, par exemple, on peut associer de l'air avec de l'eau. Et on a de la vapeur, ok. Pourquoi pas. Donc le score va petit à petit grandir et ça va permettre de débloquer des bonus. Ça, on va le voir après. Ouais, voyez, bon. À chaque fois, vous avez une petite cinématique quand vous débloquez les... les éléments, bon, et après vous pouvez visualiser votre planète, bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc après, il y a des grandes familles en fait, hein. Vous voyez là, dans la Terre, vous avez plusieurs matériaux qui vont apparaître, et puis vous allez avoir des nouvelles familles qui vont se créer petit à petit. On a quoi là? On a de la vapeur, hein. La vapeur et de l'eau peut-être pour de la pluie. Ah, pour des nuages, ok. Ok. Donc tout le jeu, c'est un petit peu comme ça, mais vous allez voir, vous allez après débloquer des mini-jeux dans le jeu. Alors, j'ai testé juste la démo pour voir pour l'instant. Donc là, c'est la version, je pense, complète. Peut-être pas encore aboutie, mais c'est la version complète. Si on met nuage et eau, est-ce que ça fait de la pluie, s'il vous plaît? Oh, yes. Oui. Bon là ça va, c'est logique. Ah, vous allez voir par la suite, il y a des associations qui sont un peu foireuses. Alors. Pluie. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce que... Alors des fois on peut associer deux trucs ensemble. But that's illogical. Bon, ça marche pas. Est-ce que si je mets de la pluie avec de la terre et de l'eau et de la terre, ok, un marais, pourquoi pas. Alors vous avez une petite citation à chaque fois. Bon, c'est un jeu puzzle, c'est vraiment un petit jeu. Franchement, ça peut occuper les soirées, ça peut être marrant de temps en temps. Bon, vous n'allez pas y passer des milliers d'heures, mais... Alors je crois que le jeu est valable aussi sur mobile, il me semble. Alors, donc là on a le marais. On a le marais, le marais, le marais.
Le marais et l'eau, ça. Non. Bon, le problème est que au bout d'un moment, vous allez cliquer partout, quoi. C'est là que c'est un peu bizarre. Marée et terre. Non, c'est... Ah, si. Si. Ok, une herbe. Ok. Ah, on a débloqué une nouvelle famille, je crois. Yes. Ah, on a l'herbe qui apparaît sur la planète. Ok, c'est un peu plus joli maintenant. Alors, l'herbe, à quoi on peut l'associer? Si on met de l'herbe et de la pluie, par exemple. Non, de l'eau. Oui. Bon, herbe, eau, ouais, une fleur. Ouais, vous voyez, les associations, des fois, sont un peu cheloues. Mais bon, pourquoi pas. Après, l'idée est pas mal, hein, en vrai. L'idée est pas mal. Après, ce qui est con, c'est qu'on puisse pas placer... Moi, ce que je trouve dommage, en fait, dans ce jeu, c'est que ça fait vraiment jeu pour smartphone et tout. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas la possibilité, une fois que l'élément est créé, de le placer nous-mêmes sur la planète, quoi. Ça serait quand même un peu plus sympa, quoi. Ça rajouterait quand même un peu plus de contenu. Fleur avec de l'eau, ça a marché? Ou avec de la pluie, peut-être? Non, avec de l'eau. Ok, avec de l'eau, ça marche. Ouais, voilà, bon. Des fleurs, de l'eau, ça fait des graines. Ouais. Ouais. En sachant que c'est quoi, ça? C'est du maïs, quoi. Ah ouais, alors là... Là, magnifique. Donc, le maïs, là, ils l'ont éparpillé. C'est des sales cubes. Et... ça passe, quoi. Ok. Un peu chelou. Bon, des graines avec de l'eau ou de la pluie, ça doit pousser normalement. Come on, creator. Bon, des graines. Ok, des graines et de l'eau, ça fait des algues. Ok, donc du maïs, tu le mets dans l'eau, t'as des algues. À quand? À quand? Quand c'est que ça se produit, ça, les gars? Vous y connaissez rien, hein? Ouais. Bon, c'est là que je me dis, c'est un peu foireux, quoi. C'est un petit peu foireux. Vous apprendrez pas le fonctionnement de la vie dans ce jeu, en tout cas. Des algues. Ok, alors des algues et de l'eau, ça fait des graines, ok. Bon, on va peut-être pas insister là-dessus. Ah, peut-être... Ok, algues et terre. Champignons, ça me semble presque plus logique, même si... Ouais. Ouais. Bon. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Envoyer les assauts. Elles sont vraiment cheloues. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Champignons. Avec quoi on a mélangé du champignon? En vrai, je sais pas trop. Use the hint or something. Ouais, bon, ok. Et avec de la terre, peut-être? Non. Champignons, vapeur nu. Ouais, bon, là, je pense pas... Je pense pas qu'on trouve un truc. Alors, je vais peut-être revenir sur... la lave. Et en vrai, la lave et le feu... la lave et la pluie, pardon. Ou l'eau, ça peut peut-être faire un truc. Ah. Such a fine achievement. Ok, de la pierre. Ouais. Ouais. Là, ça me semble à peu près logique. Ouais. Alors, pierre, il doit y avoir moyen de faire un autre truc avec ça. Non. Pierre et herbe, peut-être. La mousse, ok, cool. Oh, sympa.
La planète est un peu plus jolie là. Encore une fois, je suis frustré de ne pas pouvoir la modifier moi-même quoi. De la mousse. Oh, je vais revenir là-dessus, je pense. La lave, et si on la mélange avec... Attends, la vapeur, ça fait quoi? Non. Non, 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 non. Et alors, attendez, et avec la pluie, non, mais là, c'est pas logique. Ah, et la pierre et le feu, peut-être. Ah. Ok, du métal. Attends, avec le métal, on doit pouvoir faire des trucs de fou. Ok. Eh, on a du métal à miner, là. Putain, elle est... Les graines maïs éparpillées, là... Sans respect de l'échelle, là, ça me trouve le cul, quand même. Là, je pense que les gars, ils finissaient leur journée de travail, ils ont dit, allez, flemme, hein, les gars, c'est bon. Les graines de maïs, tu me les éparpilles là, c'est bon. Métal. Métal. Métal et feu encore ou pas? Ouais. One of a kind, soufre. Ouais. Là, je comprends pas trop la logique, mais ouais, pourquoi pas. Soufre. Est-ce qu'on le mélange avec de l'eau peut-être? Fait de l'acide. Bon là je suis pas chimiste donc je vais pas juger. Qu'est-ce qu'on a débloqué là? Ah oui, alors du coup on a débloqué un truc, je vais vous montrer, c'est trop drôle. Bon ça copie un jeu hein, mais... Et là vous avez un autre jeu dans le jeu. Alors on a... Un petit élément là, qui se développe dans l'eau hein. Je sais pas si c'est une bactérie ou quoi. Et on doit manger les autres petites bestioles pour grossir. Et petit à petit se transformer en grosses bestioles. Alors ça me rappelle un jeu que j'ai énormément joué, mais alors je retrouve plus le nom. C'est pas créature. Ah je sais plus le nom, putain. Ça m'énerve quand je cherche comme ça. Mais bon, c'était un jeu où vous commenciez comme ça en cellule dans l'eau et puis petit à petit vous améliorez votre créature en rajoutant une bouche, un stigmate ou je sais plus quoi. Mais ouais, c'était un peu plus évolué que ça. Bah là c'est pareil. En gros, c'est plus un mini-jeu, vous voyez, vous remplissez des choses. Et là, dans tous les cas, c'est bloqué parce qu'il me dit que je dois débloquer... Le stade poisson en fait pour pouvoir continuer le mini-jeu qui est là. Donc on va revenir là. On sait qu'il existe des poissons maintenant. Alors je sais plus comment on crée les poissons, mais ça va être de l'eau et de la vie. Mais ouais, les algues. De l'eau et avec quoi? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. On va peut-être lui demander, hein. Il va peut-être me débloquer. Ok, énergie. Énergie. Avec quoi on peut le combiner? Pierre, peut-être? Ouais, d'accord. Attends, par contre, je suis en train de penser énergie avec... espèce de... Voilà, chaudière. Ah non, ça passe pas, chaudière. Chaudière avec... Attends, on a peut-être pas encore des... vapeur? Non. Air? Ok. Et feu? Come on, creative. Create some. Non, ben non. Chaudière et lave. Ah, chaudière et soupe. Pas du tout. Ok. C'est pas grave. Poussière et feu. You are rising to the challenge. Nickel ça. Ah putain, on a énervé le volcan. Ok. Alors. Non. Ah, on a l'arbre aussi. L'arbre. Et l'arbre est. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à l'arbre?
Vraiment. Arbre et... arbre et puits. Arbre et eau. Une pomme. Mouais. Ouais, ouais. Je vois pas trop la logique, encore une fois. Et si ça, j'y mets de la pluie, de l'eau. Ouais, c'est pas logique. Une pomme acide, non? Non, ça marche pas. Ça, en vrai... je vois pas trop... on va essayer ah, et arbre et mousse, arbre et champignons. Bon, on va lui demander de l'aide. Hein. Énergie métal, on a de l'électricité, ok. Bon, par contre, l'électricité, électricité nuage pour les orages. Ah non, peut-être pas en fait. Ah, mais c'est les orages, pas de l'électricité en fait. Ah ouais, ok. Ouais, bon, ça c'est peut-être le. La traduction qui est pas géniale en fait. Donc éclair, éclair et arbre, attends. Non. Éclair et... Quoi on peut le mettre? Énergie à nouveau? Oh, plasma. Ok. Bon là je vous avoue le plasma, je sais pas quoi en faire. Électricité. Non. Énergie plasma. Non. Comment on peut combiner attendez. Hop. On va se faire un petit bonus. Alors qu'est-ce qu'il veut que je. Acide et énergie. Acide et électricité. Non. Ah, je vais cliquer partout. Oh la vie! Attends, électricité et eau, ça fait de la vie. Ok. Ouais. Ça me peut tirer par les cheveux. Ah mais d'accord, il me demande de refaire ça. Ah ouais, on l'a fait un peu avant qu'il... nous le demande quoi. Bon là de toute façon on est bloqué parce qu'on n'a pas fait le poisson encore. Alors, attendez. On a débloqué la vie. Marée. Et poisson là. Ah non, microbe. Ouais, la vie. Avec l'eau. Ouais, les algues, ok. La vie et non, la pluie, je vois pas l'intérêt. Avec le grain. Ça fait de l'herbe, ok. La vie et le feu. Non. La vie et les fleurs. Non plus. Oh! Ah mais il y a des créatures aussi magiques là. D'accord. Et ça on peut le mélanger à quoi là? Ok. J'ai bien envie de mélanger la vie à autre chose. Et si on le remélange aux microbes là? Et la vie, la vie. Non. Time to use a hint. Ça et ça, non. Ah, ça, ça marche. Ah, gracious oh, you. Du plancton. Ça, c'est pas mal. Je pense que la suite, ça sera les poissons. Alors, comment on peut faire les poissons, là, maintenant? Est-ce que le plancton, je dois le... le combiner non, encore. Non. Le problème des fois c'est difficile à savoir puisque c'est pas très logique quoi. On va redemander une association. La vie, la pierre. Un œuf, ouais. Ah ouais, c'est vraiment tiré par les cheveux les gars là. Par contre un œuf et de l'eau.
Un œuf et de la terre, ça doit faire des trucs, ça, c'est sûr. Alors, attends. Œuf et eau. Oh, on a les poissons. Oh, on a les poissons. Yes. Yes. Allez, on va aller... on va aller sous l'eau. Ok. Là, on doit manger les petits poissons. Bon, en vrai, c'est rigolo comme jeu. C'est assez rigolo. J'arrive plus à m'arrêter. Hein. J'arrive plus à m'arrêter, les gars. Ah! C'est un peu addictif, quand même. Hein. Un petit peu. Juste un petit peu. Ah, je vais choper les deux, là. Ouais. Et j'ai encore évolué, là. Wow. On va peut-être pas tous les faire, hein, en vrai. Je vais revenir sur la planète, là. Alors, on va essayer d'autres associations, là. Attends, j'avais dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, les œufs, les œufs, les œufs, les œufs, c'était où? Œuf et terre. Stand clear. Wow! Mais quoi, un dinosaure, carrément. Trop bien. Yes, trop stylé. Ok, cool. Dinosaure. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec dinosaure? Énergie, non. Vie, non, ça sert à rien. Est-ce qu'on... Attends, on peut associer ça, non? Ah non, ça marche pas. Ok. Métal, attends, il va me faire pas... Non. Je crois qu'il allait me faire un robot dinosaure, non. Même pas. Ah, et dinosaure acide. Non. Marée, même pas. Bon, est-ce que je fais ça? Il y a rien qui marche. The world is your oyster. Rien qui marche. Bon, hein, on va se prendre un petit bonus. A resourceful mind in action. Ok, ouais. Très tiré par les cheveux, le petit loup, là. Ok, donc là, c'est quoi? C'est bête. Ok. Ça, si on l'associe, à quoi on peut l'associer? J'essaye des associations bizarres parce que je me dis des fois. Bête. Ingenious. Le sang. Alors attendez. Alors là, c'est vraiment incompréhensible. Là, j'ai pas compris le sang. It's time to think. Non, le sang, les graines, le sang, ouais, donnez-moi le sang, avec quoi je peux le mettre? Come on, would you think? Bon. On va enchaîner les bonus, hein. On va voir jusqu'où on peut aller. Oh! J'ai même pas vu l'association. Ah, j'ai mes premiers humains, quoi. Oh, ils sont bizarres, les humains. Ah, attends, parce que... J'ai pas bien vu, là. Excusez-moi, hein, mais... Donc, on a des humains et on a des dinosaures en même temps. Bon, après, on a des ants, alors pourquoi pas, j'ai envie de dire. Homme avec sang. Ok. Ah ouais, mais c'est un délire, quoi. Ok. Ça part en couille un peu cette histoire là.
Ouais, y a des créatures fantastiques, y a un peu de technologie aussi. C'est un peu bizarre. Hein. Alors, on va tester des trucs en automatique. Outils, hein. Ouais. Je vais faire avancer un petit peu le jeu et les bonus pour que vous voyez un maximum de choses. Hop. Marée, lézard. Pas hyper logique non plus. Ah, mais c'est des gros iguanes quoi, c'est pas des lézards. Hein. Mat la taille des lézards, ils sont aussi gros que les dinosaures. Eureka. Alors là, il y aurait deux trucs à associer. Outils et arbres, c'est sûr que ça va marcher. Oh yes. Faire du bois. Ça c'est coolos. Et alors attends, le bois plus peut-être la chaudière. On va essayer d'en trouver quelques-uns nous-mêmes quand même. Le bois. Bois plus homme, peut-être pour faire des cabanes. Non. Bois plus. Attends, bois plus. But that's illogical. Bois plus feu. Cheminée. Oh, understand. Pardon. Ouais. Ok. Alors. Charbon, avec quoi on peut l'associer? Ouais, j'ai envie de revenir sur... Ah, attends. Charbon. Ouais, j'allais dire charbon métal. Peut-être. Hein. Merde, attends, je me suis trompé. Use the hint of something. Charbon métal. Non, ça marche pas. Alors, lézard. Lézard marais. Oh, bête marais. Poisson marais. Great. Ouais, ok. Pourquoi pas. Là, on a les dauphins en plus des poissons. Qu'on va pouvoir jouer avec les dauphins aussi. Oh mais là j'ai pas envie les gars. Je veux revoir les associations. Il y a carrément des gros espadons là. Eh je vais attraper un espadon. Bon, tant pis. Alors, on va utiliser la fonction. Eureka. Peut-être pierre et homme ou pierre métal pour bâtir des trucs. Nice. Ouais, cabane. Cool. Les premières maisons. Et alors attends, mais cabane, ça veut dire que cabane plus par exemple pierre. On doit pouvoir avoir des maisons un peu plus sympa. Oh yes. Ouais. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression que ça... Attends. Ça me fait triper ça. En fait, sur la... Attends, elle est où la maison? Ah non, ça a tout fait évoluer. J'arrive pas à comprendre. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est le bois. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça c'est des maisons. Ah oui, et là il y a les cabanes. Là c'est quoi ça?
Si, on dirait que l'intégralité de la planète évolue quand même. Moi. J'ai du mal à bien voir en fait. Si je crée arme. Ben arme, je pense que j'irai sur du... Peut-être du métal. Avec avec outils peut-être. Great. Yes. Donc c'est ça. Et castle menu. C'est où bois? Merde, je sais plus où c'est le bois. Come on, mais non, c'est ça que je voulais faire. Où est... Merde, c'est où le bois? Je suis perdu là. Voilà. Voilà. Et attends, tu mets le chariot plus du pétrole, t'as une voiture. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça plus... Attends, il faut que je trouve le pétrole maintenant. Oh, et attends. Auto plus électricité, j'ai une Tesla. Ah, ça y est, c'est sûr. Et... Oh non, c'est pas possible. Non mais là, c'est pas possible. C'est tout un rêve qui s'écroule là. En vrai, c'est marrant. Bon, je trouve que... Ce qui est dommage, déjà, c'est de... Bon, on a des associations qui restent quand même assez bizarres. On peut pas positionner les choses sur le globe comme on veut, donc ça, c'est encore dommage aussi. Ça reste un tout petit, petit mini-jeu, quoi, qui peut vous occuper une soirée. Je pense qu'il est vite fini. Il y a moyen de s'amuser un petit peu, mais on a tendance à tourner vite en boucle, quand même. Allez, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Peut-être pour du PZ... Peut-être pour un tout autre jeu, on verra en fonction de mes envies de la semaine. C'était Olsan, je vous dis à très bientôt, ciao.